14h30 minutes. Le soleil brille aux éclats. Nous sommes ici, sur la rue adjacente à la Selcam d'Akasato. Même pour garer notre véhicule de reportage, nous avions imploré la faveur divine. Heureusement qu'au volant se trouvait un expérimenté, Félix Aounou, à l'état civil, qui a su bien faire les manœuvres. Et comme nous, c'est ce que vit au quotidien les usagers. La voie là, bon, était dégradée complètement. Et ils nous ont dit qu'ils vont le faire, quoi. Donc depuis certains moments maintenant, tout le monde est en train de souffrir pour que, si on veut passer sur la voie, il y a certains moments, il y a des gens qui tombent sur la voie aussi. Et surtout la pluie, si la pluie tombe là, la voie là, ça nous crée des problèmes aussi. Un problème, mais la voie là, c'est très très dégradé. Franchement dit, ça ne trouve pas la voie de passer. Vous-même, regardez, vous voyez. La voie là, c'est gâté. Si la pluie tombe là, que tu veux passer même là, tu ne peux pas passer. Même si la voie là, si la pluie tombe, que le véhicule est en train de passer là, il a les tuyaux de Soneb, qu'ils ont gâté ça, donc ça n'a pas de place qu'on va passer même. La situation est très préoccupante. Des promesses ont été faites en ce qui concerne le reprofilage de cette rue. Mais rien jusqu'à ce jour. Les usagers appellent une fois encore les autorités au secours. Moi, je voudrais que le maire n'a fait tout possible pour que, comme ils ont dit qu'ils vont le faire là, il n'a qu'à faire tout possible de venir nous faire ça, quoi, pour que la voie soit bien propre. Ce que je demande au maire, de venir voir d'abord pour réparer la voie. Ça, c'est clair. Sinon, ça ne va pas du tout. Nous sommes à quelques temps de la période et des choses là, de l'élection. Et ils vont commencer par mettre des sables sur la voie. Non, non, non. On n'a qu'à venir le faire en même temps. Vous le savez. Je dis au maire, d'Aboumé Calavi là, de venir voir la voie. Moi, je veux dire à maire pour dire qu'il va réparer ça, que la voie est un peu droite, qu'on peut passer, quoi. La rue adjacente à la Selcam d'Akasato fait partie des nombreuses rues dégradées d'Aboumé Calavi. Mais qu'est-ce qui justifie ce silence des autorités compétentes face à ce genre de situation? Le maire, les chefs d'arrondissement et chefs quartiers sont donc une fois encore interpellés.